Était un peu difficile avec des matchs délicats à jouer un peu au niveau du score et de tout ça un peu. Et puis au fur et à mesure de la saison, l'équipe s'est, grâce aux entraîneurs, Alain Gaillard et René Bell surtout, et après avec toute l'aide des dirigeants, avec Loco Pierre Favre, petit à petit l'équipe s'est soudée. Et, ouais. On a pris confiance en nous et on est arrivé à faire des bons matchs et finalement à la sortie on s'est transcendé aussi. Tout le monde a amené un petit peu la pierre à l'édifice pour faire une belle équipe et à la sortie et on y a cru. On y a cru parce qu'on attaquait les 16e, 8e, le public, surtout le public castré, quoi, les supporters nous suivaient. On avait vu la ville en bleu et blanc, hein, en ayant connu les deux, moi je sais qu'en 89 il y avait peut-être autant d'engouement qu'en 93, quand tu es revenu à Castres, le Café Col, c'était plein, la place Soult était bondée, les supporters nous attendaient, le voyage, puisque la finale on l'a fait à Saint-Gaudens. C'était très loin, C'était du bleu et blanc partout, quoi. Je ne sais pas combien il y avait de bus, mais en fait, c'était. Même encore, les gens en parlent, quoi. Voilà. Et toutes ces phases finales ont permis, au fur et à mesure des matchs, de souder le groupe et de. Voilà. Et nous permettre de gagner cette finale, avec l'aide, bien sûr, comme disait Jean-Luc, du public qui nous a suivis du début à la fin, qui nous a toujours suivis, toujours fait confiance, et ça, on peut leur remercier le public. Après, bon, on avait quand même, il faut rendre hommage aussi à Francis Ruy, qui était un grand joueur de rugby, qui a mené beaucoup à notre équipe, quoi. C'était un métronome, c'était quand même... Oui, tout à fait. Ça a été toujours des matchs difficiles, mais... On sentait quand même qu'on pouvait passer à tous les matchs. Ouais. On avait cette envie, cet enthousiasme. Enfin, tout ce groupe qui était soudé, on sentait qu'on pouvait aller n'importe où et gagner. On avait une certaine force, une certaine sérénité dans le groupe. Voilà, ouais. On était solidaires déjà. On avait beaucoup de. Comme bon, c'est quand toutes les équipes qui veulent réussir, hein, il faut cette solidarité. Voilà, on avait trouvé une bonne osmose, une bonne cohésion entre nous. Et puis, et c'est parti du premier match jusqu'à la fin, jusqu'aux phases finales. Plus on arrivait vers la finale, plus le monde suivait. Ouais. C'était un beau titre, c'était un joli titre.